Shalom bien-aimés qui me suivez sur lesavertis.net, sur notre chaîne YouTube Les Avertis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour le temps que vous allez passer avec nous ensemble. Nous voulons commencer une série, je vais dire, d'enseignements. Pas tellement enseignements, mais c'est plus message au fait. Puisque lorsque nous parlons des enseignements, les gens pensent qu'il faut faire, trop des comparaisons, des écritures, tout ça. Mais je pense que le Seigneur va nous conduire pour vous aider. Je vais aider un groupe de gens. Un groupe de gens, c'est-à-dire ces messages est adressé à ceux-là qui ont des problèmes dans leur foyer, dans leur mariage, je vais dire par rapport au mariage, remariage ou divorce. Je reçois un peu de questions de ce genre et de fois, c'est difficile d'expliquer à une personne puisque cela dépend toujours des cas qui nous parviennent et aussi je ne peux pas vous dire qu'est-ce que moi je pense. Non, ça dit je dois vous dire ce que le Seigneur nous dit aussi et c'est là que chacun puisse lui-même, je vais dire, tirer des conclusions. Hein, et puis c'est décidé, puisque je pense, à mon humble avis, que ces problèmes de mariage, remariage ou bien divorce, c'est un problème très délicat. Et surtout, ce que j'ai remarqué, ceux-là qui sont pour, comment dire, ceux-là qui sont contre le divorce, sont souvent de gens qui n'ont pas encore expérimenté cette étape de la vie. Et ceux-là qui sont contre le divorce sont souvent ceux-là qui sont dans un mariage heureux, par exemple. Vous savez, alors, il faut maintenant voir chaque cas. Et cela, c'est tellement difficile de se décider pour, n'est-ce pas, donner une réponse précise. Alors, par rapport à cette introduction, c'est une introduction qui va faire quelques minutes seulement. Matthieu 19, 9 nous dit ceci. Je vais d'abord prendre Matthieu chapitre 5, verset 32. Matthieu 5, 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Et c'est Yeshua qui parle ici. Chaque fois lorsque la Bible nous dit qu'il a été dit, lorsque Yeshua surtout parle, sachez que après cette phrase, Yeshua va vous dire quelque chose de contraire. C'est ainsi que je réponds encore Matthieu 5, 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Point. Et cette loi était une loi mosaïque. En fait, pour mettre de l'ordre dans des foyers, dans des familles, à l'époque, ils ont jugé bon de rompre, je vais dire, le mariage par cet acte-là, c'est-à-dire par ces moyens-là, par cette résolution-là. C'est-à-dire, lorsque tu penses, comment dirais-je, rompre le mariage, tu dois écrire une lettre de divorce, tu donnes, c'est pas aux parents de la femme, et puis la femme s'en va. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose. J'ouvre une parenthèse. Supposons maintenant que c'est la femme qui ne veut plus. Par rapport à cette loi, que doit faire alors la femme? C'est là où la Bible reste muette. Et les gens vont dire oui, puisque c'est l'homme qui est le chef de la femme. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais lorsque vous êtes en couple, le couple devient couple pourquoi? Puisque une partie vient s'accoupler avec une autre partie et ces deux parties deviennent une partie. C'est-à-dire, la femme vient avec ses atouts, l'homme vient avec ses atouts. C'est pourquoi même la Bible nous dira, quand Yahweh créa l'homme et la femme, il dira qu'il faut que je lui fasse une aide semblable. Lorsqu'on parle de la ressemblance ici, on voit que l'homme et la femme devant Dieu, déjà au départ, ils sont semblables, c'est-à-dire ils sont des humains, des êtres humains. Et Dieu a créé l'homme, il a soutiré de l'homme la femme. C'est pour dire que quand Dieu créa l'homme, la femme était déjà dans l'homme. Comprenez ça. Alors lorsque Dieu maintenant, il sépare les deux, et puis il les met ensemble pour que eux, donc ces deux deviennent, comment dirais-je, ensemble, deviennent en couple.
Et lorsqu'un couple n'est pas content de l'autre, je pense, à mon humble avis, que la femme a aussi un mot à dire, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas parler de l'émancipation de la femme, ça va être trop compliqué. Mais ici, je suis en train de voir que la Bible était claire, ou bien la parole de Dieu était claire, nous dit que c'est lui, pas celle, c'est lui qui répudie sa femme, lui donne une lettre de divorce. Pourquoi? Puisque déjà, la formule du mariage, c'est l'homme qui s'engage, qui se décide pour se marier. C'est pourquoi ceux-là qui ont suivi quelques enseignements ou bien vidéos que je fais par rapport au mariage, vous verrez que je vous explique que le mot mariage, c'est un mot composé. Mari, M-A-R-I, et puis âge. C'est-à-dire le mari qui prend de l'âge pour, n'est-ce pas, se mettre en couple avec sa femme. C'est-à-dire, c'est ainsi même lorsque Yeshua, Yahweh, créa l'homme, quand il parle du mariage, il dit, l'homme quittera son père et sa mère. C'est-à-dire, c'est l'homme qui quitte pour aller chercher afin de s'attacher à sa femme. C'est-à-dire, l'homme devient responsable numéro un du couple. C'est pourquoi même lorsque l'homme a péché, c'est-à-dire lorsque la femme a péché, Dieu a d'abord demandé à l'homme, pourquoi? Parce que c'est l'homme qui était le responsable. C'est notre sujet. Là, nous sommes en train de dire, je ferme la parenthèse pour dire que non, Yeshua a dit ceci, il a été dit, Matthieu 5, 31, je reprends, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, point. Mais il continue à dire, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, virgule, sauf pour cause d'infidélité, virgule, l'expose à devenir adultère, virgule, et que celui qui épouse une femme répudiée, commet un adultère. Question. Essayons d'examiner ces versets, puis nous allons terminer pour cette introduction. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, cela veut dire, ici déjà, Yeshua dit ceci, lorsque la femme commet l'infidélité, donc l'homme a le droit, n'est-ce pas, de répudier cette femme-là. Et moi, comme je dis que la femme et l'homme être semblables, donc normalement, la femme aussi a le droit, n'est-ce pas, de dire à l'homme, je ne veux plus, pourquoi? Puisque tu as commis ce qu'on appelle l'infidélité. Donc l'infidélité ici doit être attribuée, n'est-ce pas, à tous les deux. Si la femme commet, n'est-ce pas, une infidélité, et l'homme également, c'est-à-dire eux deux normalement devront tomber par rapport à ça, par rapport à ces points ici. Mais lorsque tu répudies ta femme comme ça sans raison, tu l'exposes à devenir adultère. Lorsque tu répudies ta femme comme ça, sans raison, puisque le Seigneur dit, sauf pour cause d'infidélité. Mais lorsqu'il n'y a pas de cause d'infidélité, si tu la répudies, tu l'exposes à devenir adultère. C'est dire, c'est tellement dur, mais il faut comprendre. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Waouh! Mais là, supposons qu'une femme répudiée, je ne sais pas, dans un autre monde, et toi, tu ne sais rien, et tu vas, n'est-ce pas, épouser la femme comme ça, une telle femme, je veux dire, tu commets l'adultère sans le savoir. Maintenant, voyons maintenant dans la pratique, combien des hommes se sont remariés, combien de femmes se sont remariées? Souvent, les femmes se remarient plus. Pourquoi? Puisque les femmes sont souvent répudiées, surtout dans nos pays, africains, dans des pays, je ne sais pas, arabes, tout ça, sont des hommes qui ont plus le monopole. Mais ici en Europe, par exemple, la femme peut aussi se réveiller dans de ces quatre matins, elle se réveille et dit que non, je ne veux plus de ce mariage puisque je me sens plus heureuse. Et l'homme pose des questions. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je fais? Et la femme dit non, je ne sais pas, mais je me sens plus à l'aise avec toi. Et ce sont des cas aussi qui se font, qui se passent. Et moi, je pense que c'est un thème, c'est un sujet tellement délicat.
Moi, je connais beaucoup de couples qui vivent leur deuxième mariage. Je veux dire, soit le mari qui avait déjà une autre vie avant et puis prend la femme après. C'est-à-dire là, ça devient compliqué, très compliqué. Et je continue d'abord pour respecter la parole du maître. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc, Yeshua est en train de parler ici. Matthieu 5, lisez, vous allez comprendre, il y a beaucoup de choses que Yeshua a dit par rapport à l'injustice, par rapport à la bonne marche, tout cela. Et, mais moi, je pense qu'il y a un problème ici. Loin de moi l'idée même de contredire notre maître. Il y a un problème. D'abord, le mariage commence quand? Le mariage commence lorsqu'une femme et l'homme s'accouplent. Qu'elle soit mariée avec la femme ou je veux dire, qu'elle soit mariée avec l'homme ou pas, lorsque un homme et la femme s'accouplent, c'est-à-dire ils se connaissent, ils couchent ensemble, ces deux deviennent un couple. Scandaleux, non? Il faut comprendre. Parce que même lorsque la Bible dit que les deux deviendront une même, donc une seule, une même chair, une seule chair. Ils deviennent un. On devient un quand, lorsqu'on s'accouple. Ce n'est pas devenir un dans l'esprit, non. Ce n'est pas devenir un dans la pensée, non. La preuve, même si tu t'entends bien avec ton mari, avec ta femme, il y a toujours des débats des fois. C'est pour dire que lorsqu'une femme et l'homme s'accouplent, couchent ensemble, c'est ça qu'on peut parler donc de mariage. Maintenant, imaginez, toi qui me suis, si tu es quelqu'un qui a vécu des vies comme ça, couché avec des femmes, bien avec des hommes, hein, au cas de femmes, hein, avec des hommes, et toi, homme avec des femmes, par-ci, par-là, et aujourd'hui tu t'es décidé de te marier, est-ce que tu es en train de vivre un bon mariage? Ou toi qui, tu n'as rien fait, ton mari vient, arrive comme ça un jour, il te dit que, elle te dit, il te dit que non, je ne veux plus de toi. Parce que tu es devenue tellement vieille, tu as pris du poids, je ne veux plus de toi. Et il t'abandonne, il part. Est-ce que lorsque tu vas te marier, tu commets l'adultère? Ce sont des choses comme ça qu'il faut se poser des questions. Et moi, quand je suis en train de lire ça, et le Seigneur me dit ceci, pour toi qui vis dans la séparation, demande la grâce de Dieu sur toi. Demande la grâce de Dieu sur toi, sur ta vie. Si le Seigneur qui a pardonné l'homme, qui a pardonné à l'homme, qui a péché, qui a suivi la voie du diable et rejeté la voie de Dieu, là nous sommes au jardin d'Éden, si le Seigneur a accepté de pardonner ce grand péché, je ne pense pas que le Seigneur va t'en vouloir si ta grâce est sur toi et si tu veux refaire une vie. Je ne te demande pas aujourd'hui de quitter ta femme ou ton mari pour refaire ta vie. Mais s'il arrivait que tu es conscient ou conscient dans ton cœur, ce n'est pas de ta faute, c'est la femme qui ne veut pas, ce n'est pas de ta faute que c'est le mari qui ne veut pas, moi je te conseillerais d'abord avant de prendre une décision quelconque. Demande la grâce de Dieu sur toi. Et lorsque la grâce de Dieu surviendra sur toi, tu prendras une bonne décision pour ta vie. Et si tu veux te remarier, ou si tu veux te marier à nouveau, ou si tu veux, je ne sais pas, te séparer parce que tu ne te sens pas en sécurité, c'est Dieu qui va, n'est-ce pas, te donner la réponse. Donc, ma position à moi par rapport à ces problèmes-ci, ça ne dépend pas de l'homme ou de la femme. Mais ça dépend de la grâce de Dieu. Alors, je sais qu'il y aura des questions. Et la même vidéo, je la ferai aussi en Lingala pour essayer un peu d'aider aussi à d'autres qui n'ont pas bien compris. Soyez bénis. Shalom.